tu vois comment elle est aussi douloureuse. Mais qu'elle fasse que la matin, elle va me dire que je te joue pour guérir. Elle mal. Petit Papa Noël, quand il est en chocolat. Chocolat. Laisse-moi, je vais me parler, ma soeur. C'est pas Adam là-bas? Quel Adam? Adam! Oui, oui, oui! Oh là 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 là, ça fait longtemps! Oh, mais comment? Mal. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis là, mon frère. Moi, ça va pas fort, hein, c'est dernier temps. Qu'y a-t-il? Tu sais, il y a toujours les problèmes là, à la maison avec la mater. Pas possible! Ne me dis pas que tu es encore chez la mater. Ah, j'ai pas de tuyau, tu sais, j'essaye de me forcer, mais. Prends exemple sur nous. Vous avez disparu depuis et comme ça je te revois comme par surprise, je savais même pas que tu étais ici. Bon, mais sinon laisse tomber tout ça, viens que je te présente mon ami Marco. Ouais. Lui c'est Adam. Enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je tourne en rond. Tu sais, la vie n'est faite que du relationnel. Pour l'instant, côté relationnel, je m'en sors pas beaucoup. Ça va aller bientôt, rassure-toi. Merci. Maman, maman, dis-moi, on m'a dit que tu es fâché contre moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, maman. Cédric, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu es mal élevé, mon fils. Tu es mal élevé. C'est ce qui m'énerve sur toi. Okay. Et je t'ai dit que tous les matins que tu te tu me vides les poubelles. Je lave les bains à ta place. Quand tu te fâches comme ça, qu'est-ce que tu partis chez les voisins, passer, partir, tout là, tu cherches quoi? Comment tu veux partir comme ça laver les assiettes? Est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Tu as bout de leçon? Maman, j'ai un peu étudié. Tu as un peu étudié, ça veut dire quoi? Mais tu l'as un voyou. Ouais, maman. Et tu l'as fait maintenant. Maman, je Mais je peux te. Fais comme ça. Hein? Maman. Ouais, il m'a dit que je viens jouer le game. Il n'y a pas le game ici là, tu peux jouer le game. Va me laver les assiettes là. Donc quand je t'ai dit de laver ces assiettes là, tu ne laisses pas laver. Je ne veux même pas te voir. Tu laisses ta voix qui est voyou comme ça. Je vais laver les assiettes. Comment? Laisse-moi tes assiettes là rapidement, il y a les étrangers qui seront ici tout à l'heure. Ouais, ouais, le bébé laisse seulement toi aussi quand tu vas grandir, tu vas souffrir comme ça. Ouais. Oui, bébé. Cédric, stop. Tu vas où là? Je cherche Cédric. Ça ne va pas. Je dis, tu n'as rien fait chez toi. Tu as eu combien de moyens? 8 de moyens. Paresseux. Tu es le Cédric pourquoi? Pour aller jouer le game. Et c'est la dernière fois, il y a un chercheur d'office, il veut t'en dire. Mal aidé. Stupid boy. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Je vais négocier mon frère. Je te cherche au jour. Ouais, mon frère, j'ai bien envie de jouer au okay. Game. Mais si je parle à ma mère, elle va me dire encore. Quand je suis allée te chercher, elle m'a dit. Mais je dis, hein? Qu'est-ce que tu fais encore? C'est toi. Maman, la tata elle m'a tapé parce que viens chercher Cédric pour aller jouer au game. Elle m'a dosé comme ça, elle m'a giflé partout. Tu es sûr que c'est vrai? Oui. Je vais me renseigner. Mon fils était là tout de suite. Vous avez tapé chez vous. Madame, gardez votre enfant chez vous. Chez moi. T'as laissé ma mère.
La maman de cet enfant, c'est à revoir. La mère de petit là, elle est menacée chez moi. Hein? J'ai les amis que tu ramènes chez moi. Maman, Mais cet enfant, je ne sais pas comment il est. Maman, à cause du game, Fashion a tapé sur son enfant, tapé même sur l'enfant de la bombe. On fait ça. La vie au quartier. Je te dis que c'était chaud. Heureusement que nous, on a bien gagné notre enfant. Nos enfants ne doivent même pas partir chez les voisins. Parce que sinon, moi, on n'aurait même pas le corps. Ça n'a pas de sens. Pas moi, je cuisine. Les problèmes des enfants, mon Dieu. Maman, je t'appelle pas, hein? Je t'appelle pas. Que veux-tu? Tu veux tuer dans ce quartier, mais la force veut tuer dans ce quartier. Tu veux tuer? Ça fait pas deux jours que je suis là. Ça fait deux jours. Tu veux tuer dans ce quartier? Hein? Chaque jour, je vais dans le quartier, sinon, c'est même pas aller, c'est même quoi? Oh, mon Dieu. Mais c'est déjà que fini. Tu vas rager chez ton père. Comment? Vas-y, ton père là-bas. Je dis, hein? Ton père va te payer l'école. Je sais, je me sacrifie pour te payer l'école. Et tu me déçois comme ça? Je vais. Hein? Et tu me déçois? Mais ça, c'est quel enfant? Je dois toujours crier dans mon quartier tous les jours. Je dois crier dans mon quartier tous les jours. J'ai les enfants que je dois nourrir. Je te paye pour l'école. C'est une insurrection juvénile qu'il s'agit dans ce texte. Mais il s'agit d'une prise de conscience profonde, sans toutefois sortir du contexte. Et même parfois, si on a l'impression que rien n'avance, rien ne change, que la jeunesse camerounaise, elle nous montre enfin son visage. Que la jeunesse camerounaise, elle montre enfin son visage. Ne me parle plus de ce bled que j'ai chéri toute ma vie, de la terre de mes pères qui a pourri toute ma vie. Ne me parle plus de ce pays où les jeunes souffrent pour survivre, où les vieux slack roulent et se saoulent au whisky. Ne me parle plus d'ici, car je veux partir d'ici, loin du chômage et la famine qui sévise par ici. Ne me parle plus de ces hommes et tous ces voyages à Paris. Je veux gagner mon droit de vivre et mon pari sur la vie. Ne me parle plus de ces hommes qui dirigent et qui piétine et ces flics qui picolent et qui tirent jusqu'au pourrir. Ne me parlez plus du fonds national de l'emploi. Y'a plus d'emploi au bled, frère, c'est la galère à tout vent. J'ai rien à foutre de Chantal et ces synergies de merde, de force émotion, de soutien qui en plein et en perd la merde. Ils sont les Saint-Jean Costard, bâtard de vieillards. Ils rêvent de conserver leur poste au Cameroun, ça marche, on taille à trop de trafic, vol, corruption, chômage, arnaque, APJ, laxisme, idiotie, bavure, dictature, mort d'homme, mort d'âme. Voilà de quoi est fait le verre aux jeunes gamins sans âme. Frère, police, poulet, indique, indice, complice, supplice, PD, sorcier, lesbienne, nubienne, vampire, bandit. Ta mère l'enfer, c'est ici et pas ailleurs, frère. Classé numéro 1 parmi les corrompus, on a corrompu, tout sorti de la liste des corrompus. Des gangsters en costard tiennent le bled en otage. À l'Assemblée, les hommes d'affaires sont députés de surcroît. C'est trop dur pour eux de respecter les lois. Alors... C'est normal ça. C'est quoi ce mot joli vivant? Fais un sourire, grand. Cédric, tu veux quand même pas se jouer. Comment? Tu veux combien de mougou comme ça? Tu as combien de moyens? Tu as combien de moyens? Oui, de moyens. Mais tu n'es qu'un paresseux, ne reviens plus jamais. Si tu as compris, oui. Allez, va jouer chez toi. Mal élevé. On recommence. On recommence. Ouais.
piétiner, danser. C'était quoi le problème? Mais raconte pourquoi non. Vous m'avez dit.